moi, la seule chose que je dois faire en tant que maire, c'est enlever la statue de cet emplacement. J'ai fait ce qu'il fallait vis-à-vis de la population et du conseil municipal. J'ai suivi ce qu'on m'a demandé de faire. Les trois voies ont été explorées, que ce soit donc en première instance en appel et ensuite donc le conseil d'État. Il faut prendre acte et maintenant il faut passer à autre chose, c'est-à-dire que on prend la statue, on l'enlève de cet emplacement qui, je le rappelle, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes allés en Conseil d'État, est sur une parcelle qui est en indivision publique et privée. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'envisager tout ce qui était possible pour savoir si on pouvait la laisser ou pas. Le Conseil d'État a tranché, c'est comme un arbitre. Ensuite, la statue, elle ira. S'il y a une association qui met à disposition un terrain et qui veut recevoir la statue, à ce moment-là, on donnera la statue pour qu'elle soit érigée sur un emplacement privé. Peut-être qu'il faudra changer, peut-être que ça restera, je n'en sais rien, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine. On va d'abord, dès qu'on aura la notification, prendre un acte de la décision, deux, faire en sorte que la statue soit enlevée, et ensuite, pour le reste, on verra, on aura du temps.